Seigneur Sakai. Quel est le problème? Des Mongols se rassemblent non loin. Ils s'apprêtent à frapper. Nous devons nous rendre au château de Kaneda. Partez, et les Mongols vous pourchasseront. Aucun d'entre vous ne verra les murailles de Kaneda. Mais nous ne ferons pas couler le sang. Allez faire part de votre plan au village, Ochi. J'aimerais bien voir ça. Norio, si seulement tu savais faire passer le sentier octuple avant l'opinion d'autrui. D'abord Enjo, que tu as voulu suivre. À présent, le seigneur Sakai. Ne penses-tu jamais par toi-même? Je vous défends de parler de mon frère. Assez. Norio et moi livrerons bataille. Tous les autres peuvent se cacher. Je ne me cacherai pas. Je refuse de tuer. Mais je ne suis pas un lâche. Défensives peuvent être mises en place. Que tout le monde se rassemble et se prépare à se mettre à l'abri. Un de ces toits devrait convenir. Écoutez-moi, rassemblez-vous tous ici. Allez chercher vos familles, vite. Ici, c'est parfait. Pas de mur. Les Mongols peuvent attaquer n'importe où. C'est important. Rassemblez-vous près de moi. En fuyant par le marécage, les gens risquent de se perdre, de se trouver séparés et de devenir des proies faciles. Veillez à ce que tout le monde soit là. Famille, amis, voisins. Un temple. Les villageois pourraient s'y cacher. Regroupez-vous. Ne vous éloignez pas. Des brûleurs d'encens. En y ajoutant de la poudre noire, on obtiendrait une épaisse fumée, suffisamment dense pour se cacher. Norio et Ochi conduiront tout le monde au temple. J'affronterai les Mongols ici. Ils s'en prendront à moi, pas aux villageois. Monseigneur, nous avons rassemblé tout le monde. Conduis-les au temple. Je ne vous laisserai pas vous battre seul. Si les Mongols atteignent le temple, qui va protéger ces gens? Alors c'est d'accord, j'irai. Prépare ton naginata. Je te devrai une jarre de saké si tu arrives à supporter Ochi. Écoutez-moi, les Mongols seront bientôt là. Suivez-moi jusqu'au temple. Les envahisseurs subiront la fureur d'un samouraï. Écoutez-moi tous! Faites ce que dit Norio! Nous abriterons dans le temple! Je dois trouver un endroit où attendre en bordure du village. Ils sont là. C'est le moment d'allumer les brûleurs d'encens, j'espère. Avec mon chit, Ah!
Oui, Arvo. Qui y a Guillaume Harsimon? Oui, Arvo. Qui y a Guillaume Harsimon? Dertain Basson. Elle, as-tu spéré? Je devrais aller voir Norio et Uchi. Norio! Seigneur Sakai! Que s'est-il passé, Norio? J'étais en train de me battre. Un Mongol a surgi derrière moi. Ochi s'était lancé et a reçu un coup qui m'était destiné. Vous avez été tous deux plus courageux que bon nombre de samouraïs. J'ignorais qu'il était derrière moi jusqu'à ce que je l'entende crier. J'ai à peine eu le temps de me retourner. C'était trop tard. Il ne faut pas se sentir coupable. Norio. À chaque fois qu'il découvrait la fosse, la lumière du jour nous aveuglait. Cette fois-là, l'un d'entre eux empestait le saké. J'ai senti leurs mains me hisser, mais mon frère s'est jeté sur eux. Il était affamé et blessé, mais il s'est battu avec tellement de force. Norio, tu n'es pas obligé de... Si, je le suis. Ils m'ont relâché et ont pris Enjo. Ils ont pris mon frère. Tous ceux qui ont pris la route du sud depuis le temple sont morts. Tous sauf moi. Ils méritaient de vivre. C'est moi qui aurais dû mourir. J'ai pensé la même chose après Komoda. Et plus d'une fois. J'ignore pourquoi nous avons survécu, Norio. Mais c'est ainsi. Et tous ces gens comptent sur nous. Nous sommes leur seul espoir. Les habitants d'Akashima ont survécu grâce à toi. N'oublie jamais ça. Eux s'en souviendront.